Maintenant, je t'explique les consignes du fichier page 28 et 29. Alors, dans l'exercice 1, il faut que tu répondes à la question. Évidemment, pour répondre à la question, il faut bien la lire et la comprendre. Attention, ça c'est la lettre Q, ça c'est la lettre P, ça c'est la lettre J. Et quand on répond à la question, on essaye de faire une phrase et donc on n'oublie pas de mettre la majuscule et le point. Dans l'exercice 2, tu dois cocher le résumé de l'histoire. Alors, tu dois lire d'abord ces deux lignes-là. Si c'est vrai, tu mets une croix ici. Si c'est faux, tu mets pas de croix. Et ensuite, tu lis ces deux lignes-là. Si c'est vrai, tu mets une croix ici. Et si c'est faux, tu mets pas de croix. Donc, tu dois avoir dans les deux cases seulement une seule croix, pas deux. Dans l'exercice 3, tu dois entourer un titre possible pour cet épisode. Donc, tu peux lire les trois titres qui sont proposés. Et il y en a un seul qui peut aller. Donc tu l'entoures. Dans l'exercice 4, tu dois barrer les mots intrus dans le texte. Et il y a quatre mots intrus. Ce sont des mots qui sont là alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et quand tu vas lire le texte, tu vas t'en rendre compte, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faudra barrer ces mots. Dans l'exercice 5, il faut que tu recopies la phrase en séparant les mots avec des espaces. Alors cette phrase, tu la lis. En premier, tu essayes de compter les mots et ensuite tu la recopies. Si tu veux, tu peux toujours t'aider de ton livre de lecture et en essayant de retrouver cette phrase et ça va t'aider à la recopier en laissant les espaces entre les mots. Dans l'exercice 6, tu dois entourer le mot qui correspond au dessin, pomme, prune, épaule, sac. C'est très facile. Dans la page de droite, on révise le son z. Alors, dans l'exercice 7, tu dois entourer les dessins quand tu entends z. Parasol, fraise, poussin, cerise, maison, vase. Dans l'exercice 8, tu dois colorier en bleu les dessins si tu entends zo. Et tu dois colorier les dessins si tu en vert si tu entends zi. Oiseau, musique. Ciseaux, usine. Dans l'exercice 9, tu dois trier les mots qui sont là. Et ici, tu écris ceux où tu vois la lettre S qui fait le son Z, comme le Z de oiseau. Et ici, la lettre Z qui fait le son Z. Attention, quand tu écris la lettre Z en attaché, regarde bien le modèle pour l'écrire correctement. Si tu ne te souviens plus trop comment faut l'écrire, entraîne-toi d'abord au brouillon. Alors, ces mots, on peut les lire ensemble si tu veux, et ensuite tu les trieras. Chemise, bazar, douze, bronzé, fraise, cousine. Donc, ils font tous le son Z, mais parfois c'est un S qui fait le Z, et parfois c'est un Z. Dans l'exercice 10, tu dois entourer les lettres qui font le son Z. Alors là, fais très attention. Il peut y avoir le S de oiseau, le Z de oiseau. Il peut y avoir aussi le Z de zéro. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de S muets. Et même le Z, parfois, tu te souviens, avec le E, EZ, ça fait E, le E de nez. Donc fais attention, parce qu'il y a plein de pièges dans l'exercice 10. Et pour t'aider, je te le dis, il y a. Je compte vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lettres qui font le son Z. Alors choisis les bonnes. Attention parce qu'il y a plein de muettes. Dans l'exercice 11, il faut que tu lises chaque mot. Et dans cette liste, tu vas trouver une syllabe qui est la même dans tous les mots. Et la syllabe en question, tu l'écris là. Et dans cette ligne-là, tu vas encore trouver une syllabe qui est dans tous les mots et cette syllabe, tu l'écris là. Donc c'est la syllabe commune à chaque série que tu écris. Dans l'exercice 12, tu dois rassembler les syllabes qui sont là. T'en prends deux pour écrire un mot là et t'en prends deux pour écrire un mot là. Attention, les mots, quand tu les écris, en les lisant, il faut que tu te rendes compte qu'ils existent, hein. Ne va pas inventer des nouveaux mots. Voilà, je te laisse faire ton fichier. Et on se retrouve dans une vidéo pour la correction. Travaille bien, à tout à l'heure.